Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations. Et oui, donc je tiens à le rappeler, même si je le dis souvent, mais je préfère le dire et le redire parce que voilà, il y a encore des gens qui sont pas au courant. Mais en fait vous avez le lien dans la description vers la chaîne de Madame Toilette MSP. Pour ceux qui ne savent pas, Madame Toilette MSP est youtubeuse et en fait elle m'aide aussi à faire les vidéos des situations, tout simplement parce que je suis très très en retard, que malgré le fait, même si je faisais des vidéos tous les jours des situations, jamais je pourrais me mettre à jour. Du coup Madame Toilette m'aide et elle fait quand même beaucoup de vidéos des situations ces derniers temps, et normalement elle prévoit d'en faire encore pas mal. Donc elle s'occupe uniquement des messages, les situations, et moi je m'occupe des screens plus des messages, puisqu'il y a beaucoup plus de messages que de screens et que les screens se répètent beaucoup en ce moment. Donc bah écoutez, c'est parti. Comme je disais, juste une petite chose, bah voilà, le lien est dans la description. Et c'est parti, nous on va commencer par les screens que vous m'avez envoyés sur le mail situationmsp@gmail.com. Si j'y pense, je mettrai dans la description, mais je l'oublie tout le temps. Alors pour le premier, eh bien vous avez remarqué l'erreur ou pas? Bah dites-moi déjà en commentaire avant que je vous dise, est-ce que vous avez remarqué ou pas? Si vous remarquez pas, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vérifier. Mais bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez remarqué un petit souci. C'est que normalement, en dessous du VIP, il y a quelque chose. Mais il n'y est pas. Mais qu'est-ce que c'est donc? Et ben tout simplement, c'était le petit cochon qui n'apparaît pas. Donc moi, j'ai eu ce bug aussi. Et je crois que ça a duré au moins toute une journée complète, presque deux jours même, avant que le cochon ne revienne. Et là, j'étais en mode trop deck, je me disais, ouais, mais si le cochon, il apparaît pas, bah, je vais faire comment, il va falloir que je recommence un compte et tout. Bon, heureusement que le cochon, il est revenu au bout d'un moment, mais ça a mis du temps quand même. Et moi, j'ai eu mon petit coup de flip quand même. Mais bon, c'était vraiment au tout début, quand j'avais créé, je crois que c'était sur Limonade, ça, à la base, hein. Que le cochon, il avait disparu. Et vu que je venais de le créer, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il sera jamais là, en fait, et tout. Mais en fait, non, ça va. Ah, celui-ci, dès que je l'ai ouvert, je me suis pété un fou rire, mais waouh! Mais regardez, en plus, ça a mis des flèches et tout, c'est en mode, mais regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, effectivement, ah mince, excusez-moi, attendez, j'ai fermé. Ouais, blablabla. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème là. Il y a un petit problème là, là, mais là aussi, tu vois. Il y a un petit problème de yeux, hein, mais là j'ai envie de te dire que... Regardez. Oh merde. Il y a son œil qui s'est barré. Mais là c'est lol quoi, c'est... Tu sais, c'est pas comme si c'était juste l'œil, en fait c'est la... Comment ça s'appelle, le pupille, la pupille, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, qui s'est barré. Mais là c'est... En fait c'est juste que c'est malaisant en fait. Si on mettrait genre juste cette image, ça serait genre trop malaisant. Enfin, ça met dans le malaise, mais ça m'a fait rire quand même. Dites-moi si vous aussi vous avez rigolé, mais moi ça moi j'ai... La première fois que je l'ai ouvert, je me suis tapé en fou rire. Pour celui-ci, ce qui est un petit peu chelou, c'est que la personne, bon, elle m'a dit qu'elle venait de se connecter, donc peut-être c'est un problème de chargement, et je pense fortement que c'est ça, mais que en fait, elle était niveau 0, alors qu'elle a quand même 176 000 fame. Avec 176 000 fame, t'es pas niveau 0, hein. Non, non, non. T'es niveau combien avec 176 000? Je dirais que t'es niveau 10, 12, non, allez, niveau 12 ou 13 avec 176 000 fame, un truc dans le genre. Bon, ici, petit souci de fond d'écran, effectivement, peut-être que c'est le nouveau thème qui s'appelle l'obscurité ou le noir profond, et qui fait que, en fait, le fond est bah, tout simplement tout noir, il n'y en a pas. Au début, je me suis dit, ouais, les bulles, c'est le thème, mais en fait, pas du tout, ça vient de l'animation de Lila. Mais du coup, effectivement, il manque un fond. Il manque un petit fond, quand même. Alors là, la personne qui m'a envoyé ça, en fait, elle a vu... elle allait voir mon film, ma movie. Donc déjà, merci beaucoup à toi, KXNXT, d'avoir regardé le début de film. Je dis début de film parce qu'en fait, c'est... voilà, il y a le film complet, il est sur mon ancienne chaîne. Enfin, le film, le premier épisode de la série. Et du coup, bah effectivement, il y a un petit souci de tête. Moi, je... Enfin, dans mes souvenirs, quand j'avais créé cette série, bah en fait, la tête était bien sur les épaules de la movie star, tu vois. Je me suis dit, bon, en même temps, bon, je suis pas Spielberg et tout, mais j'aurais pas fait des effets spéciaux aussi bien, quoi, quand même, même dans une série sur MSP. Mais effectivement, petit souci, la tête n'est pas sur le corps. On va zoomer, hein, dans le doute. Dans le doute. Ah bah non, effectivement, il manque bien le cou. Enfin non, le cou, il est là.
Donc la tête elle est coupée. Oh mon dieu, c'est tellement creepy. En plus, on est en pleine période d'octobre, d'Halloween, tout ça, donc ça tombe plutôt pas mal quand même, ce genre de screen. Bon, je ne pense pas qu'il soit un bug, peut-être plus l'animation qui fait ça, je sais pas, à vérifier. En fait, sur ici, parce qu'en plus, il n'y avait pas de message avec l'email, donc je suppose que c'est ça le bug. Ça se fait, il y a un autre bug quelque part d'autre, mais voilà. En gros, elle est dans le truc, et normalement, elle est censée être derrière, parce que vous voyez bien qu'elle est plus petite, donc techniquement, elle est censée être derrière, mais elle apparaît devant. Je pense pas que ce soit un montage non plus. Parce que bon, pourquoi se faire chier à faire un montage comme ça pour ça? Mais ouais, peut-être que c'est l'animation qui fait qu'elle est devant. Vous voyez, ici, c'est écrit même son pseudo, il est écrit en petit. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop quoi en penser. Et pour le dernier screen, avant de passer au message des situations, eh bien, on en est là, en fait. Donc, voilà, c'est un screen. Moi, j'ai pas trop compris. Tap on your movie star to display the animation icon. Ah, je crois que c'est... Elle vient de créer le compte, effectivement. Donc, le compte, il vient d'être créé. On voit qu'il est niveau 3, ici. Et en fait, effectivement, il y a une quête qui demande à ce qu'on aille dans une salle de chat et que l'on utilise... Non, même pas. Si, qu'on utilise une animation, je crois. Mais il me semblait que c'était dans le que fais-tu, mais pas dans le... Pas dans une dans un salon de chat. Enfin, bref. En tout cas, je pense juste que ça a bugué à ce niveau-là, au niveau des quêtes que l'on fait... Voilà, pour les premières quêtes quand on crée un compte. Et du coup, bah ça fait ça. Moi, je trouvais ça un petit peu chelou quand même. Parce qu'effectivement, il manque pas mal de choses. Une fille VIP star, il me semble, m'a dit qu'elle voulait me donner un ticket VIP contre un souhait. Je me doutais qu'elle m'arnaquait. Bah alors, bah pourquoi tu as accepté? Pourquoi? Mais bon, je me suis dit que c'est pas si grave, car le souhait ne coûtait que 500 Starcoin. Elle m'a dit de le faire en premier, j'ai essayé de négocier, mais rien à faire, donc je lui ai fait, et après, elle m'a bloqué. Tout ça pour dire de faire très attention, car sinon, on peut le payer cher, 500 Starcoin ou plus. Je t'adore, Starzel. Bah, merci beaucoup. Parce que je t'avouerai, déjà, c'est douteux qu'une personne veuille uniquement un souhait à 500 Starcoin, alors que clairement, un ticket VIP, on peut négocier bien plus que ça. Mais d'un autre côté, il faut dire que dans 99% du temps, les gens que vous connaissez pas, qui viennent de nulle part, que vous avez jamais vraiment parlé bien avec, et qui vous demandent quelque chose contre leur ticket VIP, bah forcément, c'est déjà une arnaque. Hein. D'avance, on peut savoir déjà que c'est une arnaque. Hein, Donc ne vous faites pas avoir, parce que vous êtes nombreux à me dire ce genre d'histoire, et à chaque fois je vous dis, mais pourquoi tu y as cru? Pourquoi? Situation étrange, une deleted user me parlait, et elle m'a dit, tu tiens à ton compte? Moi j'ai dit, bah oui bien sûr. Ensuite elle m'a dit, tu vas te déco dans pas longtemps, et moi j'y croyais pas, et là ça me déco, mais après ça a arrêté. J'ai réussi à me reco et tout va bien depuis. Bon bah ça va, t'as récupéré ton compte, tout ça, y a pas de soucis. Mais bon, c'est déjà bizarre qu'une deleted user ait pu te parler. J'étais en train de faire une technique pour mettre VIP gratos et ça ne marchait pas, donc fake. Puis j'ai essayé une méthode, j'ai mis des chiffres au hasard, j'ai confirmé et ça m'a mis VIP 1 an car c'était le numéro d'une carte PayPal. Alors ça dépend, soit c'est une carte bancaire, soit c'est un compte PayPal, c'est deux choses différentes. Après sur PayPal il y a souvent une carte bancaire du coup reliée au compte PayPal, bref, ça voilà, blablabla. Mais si ça réussit à mettre des numéros de carte bancaire sur un compte PayPal au hasard et que ça a fonctionné, bah moi je te dis un gros GG, hein. Bravo à toi. J'ai pu faire un tour de limousine alors que je n'ai pas de diamant, c'est une situation bug ce que j'ai dit. Eh bien, peut-être que tu parles de la limousine qui est des fois dans les salons de chat. En fait, si quelqu'un dépense ses diamants, il fait apparaître la limousine. Et en fait, c'est pour toutes les personnes qui sont dans le salon au moment où il le fait apparaître. Donc, toi, tu n'es pas obligé de donner des diamants pour la limousine. Si quelqu'un le fait pour toutes les personnes dans le chat, c'est... Bah voilà, ça s'explique. Bonjour, un jour j'ai eu un gros bug, j'ai voulu me co sur ce compte et alors que j'ai rien fait et j'ai rien dit, ça m'a fait vous êtes banni sur le compte de ma soeur et de ma soeur aussi. Je me connecte, ça fait qu'on est banni toutes les deux pendant 15 jours. Bah peut-être quelqu'un s'amusait à signaler ton compte et celui de ta soeur avec plusieurs comptes, histoire justement que vous soyez sanctionné, je sais pas, quelqu'un qui ne t'aimait apparemment pas. Hein. Bon, on va faire le dernier bug de double licorne.
Gros bug, l'année dernière vers Halloween, j'ai reçu des messages de plusieurs fantômes. Ils m'envoyaient tous des messages en même temps. Et du coup, ça me faisait bugger énormément. Je ne pouvais plus rien faire de plus qu'elle m'envoyait tous les mêmes messages. Du coup, je me suis déconnectée et reconnectée. Et après, plus rien, plus aucun message. C'était chelou, wesh. Voilà, c'est tout qui se rendait tous. Oui, parce que l'une des causes principales du fait que beaucoup de personnes bug ou lag, c'est que justement, elles se font spammer au niveau des messages. Et ça surcharge la page internet. Et du coup, ben... voilà ce que le résultat, je pense que j'ai pas besoin de vous faire une image pour toutes les personnes qui viennent régulièrement sur mes lives MSP. Vous voyez bien que je ne peux absolument rien faire en jeu. Je lag, je perds patience très rapidement. C'est pour ça que souvent mes lives MSP, c'est beaucoup de blabla. Et voilà. En tout cas, sur mon compte principal. Ça s'explique par ça, hein, tout simplement. Bah, après, qui t'envoie ça tout ça en même temps, c'est peut-être des amis qui sont décidés de se mettre en groupe pour faire ça. Mais ça recommence. Tu sais que tu peux bloquer les personnes, bien sûr, ça les empêchera pas de recréer un autre compte, mais le temps qu'ils recréent un compte, au bout d'un moment, ils s'en lasseront. Et pour la dernière situation de cette vidéo qui vient de MD. Il y avait une personne, elle avait son anime en continu. Normalement, c'est que quand tu postes un « Que fais-tu ?» Bah là, non. C'est comme ça pendant 10 minutes et ça m'a fait rire. Mais du coup, en fait, elle a fait ça dans son « Que fais-tu ?» Mais du coup, en bas, ça apparaissait en continu. Désolée, j'ai le « Ok ». Hein, ça, on finit très bien la vidéo avec un ok, mais il me semble que par exemple dans un salon de chat on peut spammer une animation. Après dans le que fais-tu, je suis pas trop sûre, mais du coup en tout cas bah, ça a dû être bien drôle. Après ça dépend de quelle animation c'était, effectivement il y en a qui sont je pense plus drôles que d'autres. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, et puis ben écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous, portez-vous bien, ciao ciao.